Hello, everyone. Bonjour, tout le monde. Albertans, including many who live in Indigenous communities, have faced devastation and evacuation due to the ongoing forest fires that are raging through northern and central Alberta. As of this morning, 82 wildfires were burning in the province, 23 of them out of control, while 20 are being held and 39 are under control. Donc, on a les incendies en Alberta qui continuent de ravager les communautés. S'y incluent les communautés autochtones. Et aujourd'hui, on a 82 incendies de forêt qui brûlent dans la province. 23 d'entre eux sont hors de contrôle. 20 sont maintenus et 39 sont sous contrôle. Minister Blair and I are here today to discuss Alberta's request for federal assistance, which will enable us to work even more closely with our provincial counterparts to send them the resources and the help they need to fight the wildfires and keep Albertans safe. Le ministre Blair et moi-même sommes ici aujourd'hui pour discuter de la demande d'assistance de l'Alberta au gouvernement fédéral, et celle-ci nous permettra de travailler encore plus étroitement avec nos homologues provinciaux pour leur envoyer les ressources et l'aide dont ils ont besoin pour lutter contre les incendies de forêt et assurer la sécurité des Albertains. I would like to take a moment to address the firefighters and first responders who are doing everything they can to keep Albertans safe and to protect our province. You have my deepest thanks and gratitude and that of the entire federal government. Merci à tous les pompiers et tous les intervenants de première ligne qui sont là pour protéger la vie et la propriété des Albertains. And so now I would like to pass to my colleague, Minister Blair, for more information on today's announcement. Thank you very much, Randy, and good afternoon, everyone. If I may, I'd like to begin by acknowledging the death of a police officer last night in line of duty. Three officers responding to a call for service and out serving their community and working hard to protect the people that they're responsible for. Encountered a violent incident. One officer has lost his life. Two others are injured and in hospital. I just wanted to acknowledge their service and their sacrifice, and to send my very sincere condolences to the family, colleagues, and friends of the fallen officer. I am able to provide what I believe is a very positive update on the situation in Alberta. As you probably are aware, the province of Alberta made a request for assistance that came into our government yesterday. We've been working with them very closely over the past several days, and we were able to respond very quickly in a positive way to all of their requests for assistance. I'm pleased to report that the Canadian Armed Forces are now deploying resources to provide strategic airlift services and construction engineering services. We've also been working to make sure that the RCMP are adequately resourced to provide some of the security concerns. There is very important work going on with Indigenous Service Canada in impacted Indigenous communities, and we will continue to work very closely with the province of Alberta. It's a very collaborative effort, and frankly, when these types of tragic events occur in any community, it's all hands on deck, and we all work together to make sure that we get the job done and are there for people when they need us. As Randy has indicated, quite a significant number have been displaced from their homes through evacuations. We also want to acknowledge that can be very traumatic and frightening for the people that are impacted, and they've not only had to leave their homes, but in many cases their work, their communities, their farms, their animals. We know how difficult this can be, and it's one of the reasons we're also announcing today that we are joining with Alberta and the Canadian Red Cross in a trilateral matching fund program. So as Canadians, generous Canadians from across the country, donate to the Red Cross through redcross.ca in order to support those people who have been impacted, the province of Alberta and the government of Canada will provide matching funds. And what that means for generous Canadians who want to be there for their neighbors and their countrymen from across the country, when they make a donation, every dollar they donate will become $3 of service to that community. And the Red Cross have been an important partner in every event like this in our recent past. The Red Cross will be there to support other community organizations who are providing services to the people who have been displaced, and to also provide direct assistance to people who need that help in making sure that they can have accommodation and sufficient supplies to get through this very, very difficult time. We're all working very closely together. The situation has improved somewhat as a result of the weather over the past 2 days, but we are very concerned because the weather forecast for this weekend is more hot, dry, windy weather with the possibility of lightning strikes. And so we're not through this crisis, but everybody's working very hard to make sure that we help Albertans get through it. Thank you. Si on parle des forces armées canadiennes qui sont sur le terrain en ce moment, quelle est leur principale mission, leur priorité? Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Et on est rendu à combien?
Je peux demander à Bill combien de forces armées on parle, mais c'est pour l'assistance avec des équipements lourds. C'est aussi de l'aide pour les grands avions qui peuvent verser l'eau sur le terrain. En ce qui concerne la sécurité des communautés, des collectivités, ça c'est la responsabilité des services policiers sur le terrain, s'y inclut la GRC. Est-ce qu'on sait, Ministre Blair, do we know how many CAF personnel have been deployed yet? I don't have a precise number from the Canadian Armed Forces, but they bring not only personnel, but their expertise and their equipment. And in this situation, Alberta indicated to us they needed the ability to provide strategic airlift, not just for what has already transpired, but anticipating future difficulties. The Canadian Armed Forces has done this in many similar events across the country, and so they'll be there for that. And they also identified the need for construction engineering equipment, because they have to, you know, maintain and restore, in some cases, damaged critical infrastructure, roads, bridges, highways, et cetera, but also to cut lines through forested areas. Also, I should mention, because a very significant area of the impacted part of the province is also National Park. That's right. And so we've reached out to the National Park Service. They're working very closely with officials in British Columbia. They have a firefighting capacity themselves. They now have fire ban prohibitions that have been put in place, and making sure that, because there are also Indigenous communities located within the national parks, to make sure that the people living there are safe and that we do what is necessary to protect our important national institutions. Une précision sur votre question, c'est aussi la planification logistique pour ce qui s'est passé, mais ce qui va peut-être venir avec le fait que cette fin de semaine, on vise des températures de 29 degrés, 30 degrés et plus. Et comme Bill vient de mentionner, c'est vraiment une coordination pan-gouvernementale et la collaboration avec les officiers du gouvernement de l'Alberta, c'est très étroite et ça change chaque heure, mais on est là pour aider les Albertains. C'est quoi la principale crainte que vous avez à ce moment-ci? Mais moi, comme Albertain, c'est qu'on a plus d'incendies ou que les incendies sont là, continuent à croître et brûler. Et on parle des feux qui sont tellement sévères que ça brûle pendant la terre. Et c'est comme cette semaine, on voit qu'on a une baisse de nombre. Mais là, on peut voir avec une augmentation de température plus d'incendies. Donc, pour nous, c'est vraiment de donner toute l'aide qu'on peut, qu'on puisse sur le terrain pour qu'on continue à voir un abaissement du nombre d'incendies et l'intensité des incendies aussi. Et pour nous, c'est de protéger la vie des Albertains et aussi des premiers répondants. On the matching fund, is there a cap that you are setting with that, or is it just as much as the Red Cross is getting? Neither us nor Alberta have set a cap on this. We know that Canadians in the past have always responded with generosity and compassion for their fellow citizens. We want to encourage that and also leverage the benefit of Canadian generosity by matching funds from both the province and the federal government. This is a difficult event. It's impacting a great number of people. There is a strong need out there, and we've got a really good partner in the Canadian Red Cross. As for the election going on in Alberta right now, from what information you have, how confident are you that they're going to be able to go ahead in all the ridings? That's an issue for Elections Alberta to determine. They're still monitoring the situation, and so that's an issue for Elections Alberta to give us an update on in the coming days. And so we'll let Elections Alberta comment on that. What I do want to say, though, across the province is our heartfelt thanks to all of the municipal leaders in communities large and small, in the north, the south, and in the center of the province, Edmonton, Calgary, High Prairie, Indigenous communities, and Albertans, friends and family alike, who've welcomed evacuees into their home. This is the kind of Canadian and Alberta spirit we have back home, and so we're seeing that, and we're really grateful for that kind of, you know, helping your neighbor, helping your family approach that we're seeing in Alberta right now. Merci beaucoup. Much. Thank you. Parfait, je l'avais pas vu. Oui, ça va. Bonjour Christian, bonjour Tristan, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Évidemment, je veux réagir à l'annonce de la ministre Saint-Onge de ce matin. D'abord, agréablement surpris par sa volonté, plutôt inattendue, de se positionner en faveur d'une enquête publique et indépendante dans le milieu du sport. Hein. C'est le mot qu'elle a utilisé même en anglais, le « inquiry ». Et donc, on a arrêté de jouer sur les mots. Et ça, pour moi, bien, ma première pensée va directement pour les athlètes. J'ai été évidemment très
choqué par l'ensemble des témoignages qu'on a eus, tant au niveau de la condition féminine que dans le comité du patrimoine et tout ce qu'on entend à travers les médias depuis près d'un an, depuis que Requested a fait son article. On est en date du 26 mai. La motion pour une enquête publique indépendante a été adoptée il y a près d'un an. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle d'aller en ce sens-là. Si je reprends un peu les mots de la ministre, la question du comment et du quand demeure. Le quand, ben, je pense que c'est plutôt possible. Le comment, ben, le comité de la condition féminine se réunit aujourd'hui et étudie les éléments de son rapport et les recommandations. J'espère qu'il y aura quelque chose là par consensus entre les collègues qui va pouvoir le démontrer. Dans l'ensemble de l'annonce, ben, je pense qu'il y a des points importants. Je sens qu'il y a eu une écoute forte de la part de la ministre et de son écoute sur plusieurs des points qu'on a amenés au Bloc québécois dans plusieurs de nos interventions depuis un an. Je me réjouis particulièrement de la question des DNA, des protections, des clauses de confidentialité. Ça, je pense que c'est un point important. Reste à savoir, est-ce que ça s'applique aussi pour celle qui est actuelle? Est-ce qu'il va y avoir des réponses qui sont là? Le code de gouvernance pour les organismes, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui était dû en décembre l'année passée. Pourquoi il faut attendre 2025? Pourquoi que ça ne peut pas être pour le financement l'année prochaine? Je pense qu'en dedans d'un an, on est capable d'amener ce cadre-là. Le code de conduite universel est un pas important, à savoir l'enjeu du BCIS. Est-ce qu'il y a la pleine indépendance du bureau de la ministre? Ça, moi, c'est peut-être plus là que j'ai mes questions qui demeurent sans réponse. Reste que c'est des points importants. La formation aussi qui va être amenée, comment ça s'applique dans les régions éloignées, le financement qui va être donné à ça. C'est des questions qui demeurent, donc on demeure très vigilant. Je pense que les délais que la ministre veut se donner sont quand même sur le long terme. J'espère que les actions vont pouvoir être concrètes, mais je veux souligner les pas qui sont faits aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un volte-face ou est-ce que c'est dans la continuité? Est-ce qu'elle l'avait dit jusqu'à maintenant? Bien, si je me permets, en tout respect, si je regarde l'article qu'a sorti la presse au même moment que la ministre a fait sa conférence de presse et la nouvelle version qui est en ligne, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une position qui a été prise qui n'était pas nécessairement dans les lignes du communiqué initial. Je ne sais pas si c'est l'impact des débats d'ajournement qu'on a pu faire hier dans lequel on a réitéré cet aspect-là de l'enquête publique indépendante. Toujours. Est-ce que vous avez dit non, pas d'enquête indépendante? Bien, comme je dis, moi, l'utilisation des mots en politique, c'est souvent important. J'ai toujours senti qu'elle mettait l'accent sur l'investigation en anglais plutôt que le « inquiry ». En français, on peut s'entendre qu'enquête pouvait être une formule appréciable, mais je pense que pour la première fois, à mon sens, de pouvoir se positionner pour la public inquiry, l'enquête publique indépendante nationale, bien, est un point important. Le fait qu'elle annonce que oui, il y aura une enquête, mais on n'est pas prêt non plus à la déclencher maintenant. Alors, est-ce que ce côté-là qu'il faut quand même attendre, est-ce que ça vous déçoit à ce niveau-là? C'est sûr que ça me préoccupe. Évidemment, j'ai la pensée pour les athlètes, ceux qui ont pris la parole d'abord très courageusement et celles qui n'ont pas nécessairement eu le moment de le faire, notamment l'aspect de la confiance dans l'endroit dans lequel on peut faire ces plaintes-là, ces complaintes-là, ces doléances, en tout cas, affirmer sur la place publique. Parce qu'un des enjeux qu'on entendait en comité, c'est quand une personne va pouvoir dire publiquement dénoncer son agresseur, par exemple, et il y a une poursuite qui est faite. C'est une façon, puis en plus, avec les clauses de non-divulgation des noms, donc ça devient cacheter le silence de la victime, et c'est énormément de pression. Ça prend un cadre dans lequel la victime qui veut se positionner puisse être protégée. Ce qu'on offrait comme cadre dans les cadres d'un comité parlementaire, par exemple, est-ce qu'une enquête publique indépendante doit fournir comme cadre? Donc, je pense qu'il faut bien faire les choses. En même temps, peut-être que, enfin, la ministre, moi, mon hypothèse, c'est qu'elle attend le rapport de la condition, du comité de la condition féminine qui doit être adopté le plus rapidement possible, et j'espère que le consensus des partis politiques, puis évidemment le Bloc québécois a une proposition assez étoffée sur le comment, bien, puisse répondre à sa question, puis lui donner les ailes pour pouvoir le faire le plus rapidement possible, parce que les athlètes l'attendent avec empressement. Il y a des choses qui sont faciles à faire quand on a une grande fédération. Quand on a une plus petite fédération, on a-t-il les moyens de faire tout ce que la ministre demande maintenant, rapidement, puis dans les temps, puis dans l'argent? Bien, je pense que l'argent ne doit pas être un facteur quand on parle de la sécurité des gens, puis il y a surtout un coût à ne pas faire les choses. Et ça, pour moi, c'est fondamental quand on voit. C'est dur pour les petites fédérations? Il y a beaucoup d'éléments d'application, évidemment, et tout ce qui s'applique dans le domaine provincial, le domaine régional. Puis ça, je pense que la ministre a démontré une certaine sensibilité sur ces arrimages-là. La question du sport, pour moi, doit être une priorité. Je pense qu'on doit être davantage généreux dans le financement qu'on a envers le sport sur les saines habitudes de vie. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le fait de reviser, peut-être, en tout cas, je trouve qu'il y a une porte ouverte à reviser toute la question des priorités de honte de podium, à nous le podium, ou des priorités canadiennes. Je pense qu'on peut voir le sport
sport, en tout cas, il y a un pas qui est fait pour voir le sport comme étant accessible universellement, donc de financer l'ensemble des fédérations dans le but d'atteindre des objectifs, de favoriser la pratique d'un maximum de personnes. Donc, si ça passe par un plus grand financement des même des plus petites fédérations, bien, je pense que ça va de soi. Mais ces objectifs-là, l'argent ne doit pas être un facteur pour les atteindre. La diversité sur les CA, là, des CA entièrement masculins, entièrement blanc, tout ça, ça marche plus en 2025. C'est un gain intéressant, ça. Pour moi, c'est un pas majeur d'être dans une zone de parité. Effectivement, ça va éviter les fameux patterns, comme on dit. Puis surtout, c'est les éléments d'indépendance. Puis la présence des athlètes, je pense que c'est des éléments qui sont des avancées significatives. Pour avoir étudié la question de la gouvernance, c'est des mécanismes indépendants dans lesquels tu as des personnes qui doit faire preuve de diligence, amener à l'avant-plan des recommandations en fonction de, non pas des conflits d'intérêts, comme il a été nommé, mais en fonction de l'intérêt supérieur du sport, l'intérêt supérieur des athlètes, l'intérêt supérieur de la nation, je pense que c'est des pas qui sont importants. Effectivement, c'est quelque chose que je veux souligner. À nous, podium, on fait quoi avec ça? Je pense qu'il y a une réflexion profonde à faire de ce côté-là. Il devait être en comité du patrimoine la semaine dernière. Pour des raisons un peu spéciales, je dirais, ça a été remis. Reste que j'ai beaucoup de questions de ce côté-là. D'abord, sur les comptes qu'ils ont à rendre, sur l'opacité que ça a, puis sur les objectifs. Comme je dis, moi, à mon sens, je pense que le sport doit avoir un aspect de prévisibilité pour les athlètes, pour les fédérations. Trop souvent, ce programme-là a été utilisé et a mis une pression énorme sur les athlètes, ceux qui étaient performants aussi, de sentir qu'un athlète a toute la pression de la survie de son sport et de son financement au Canada, ça n'a pas de bon sens. Juste cet élément-là mériterait une réforme en profondeur de ce programme-là. Je pense que ça prend quand même une réflexion sur le sport d'excellence, puis assurément qu'on va y contribuer. La ministre semblait dire que ça allait de soi, qu'il allait avoir une enquête publique. Quand on lui posait des questions ce matin là-dessus, elle disait ben oui, comme si elle l'avait déjà annoncé. Mais vous n'aviez pas eu de votre côté une indication, une confirmation comme quoi… Ce que j'avais était la même chose que vous, c'est-à-dire on va avoir des bonnes nouvelles, attendez-vous à ça. C'est ce qu'elle m'a répondu en période de questions vendredi dernier. C'est ce qu'Adam Van Coverden aussi a répété hier en débat d'ajournement également. Mais reste que entre ce type de bonnes nouvelles-là puis des bonnes nouvelles en général, je pense qu'on n'est pas dans le cherry-picking. L'élément le plus fondamental, c'est l'enquête publique indépendante. C'est d'aller au fond des choses, c'est de libérer la parole des athlètes, c'est d'avoir des recommandations qui deviennent quasi force de loi, là. Et ce qu'une enquête publique indépendante est capable de faire par le mécanisme de la loi sur les enquêtes publiques, je me réjouis si on fait un pas dans ce sens-là, mais il faut le faire rapidement. Merci à vous. Merci. L'été en enquête publique. Merci. Peut-être, regarde, ça fait trois étés que je t'ai lu ou quatre étés, puis ça fait quatre étés qu'on manque. Fait regarde, si ça sera ça, tant mieux. Merci énormément. Merci pour votre travail dans cet enjeu-là. Il est super important. Très reconnaissant. Merci. Can I have a second to talk about Minister St. Ange's announcement this morning? Absolutely. Perfect. All right, so we're seeing some criticism already from groups like Global Athletes saying not enough is done to consult with some of the various sports organizations who have been raising concerns just all the scandals we're seeing in our national sports organizations and saying AthleteCan is too closely linked to the government. Just what's your response to these criticisms? Athletes Can has been an incredible independent voice for athletes since before I was on a national team, and I made my first one in 1998, so I can say with confidence that that Athletes Can has always been an extraordinary independent voice for athletes in Canada, on national teams and otherwise. On today's announcement, what a huge step forward this is. This is actually monumental. This is, on a personal level, one of the reasons I came to this place, to make sure that we make progress in the sports system so that it's safer, more accountable, better governance, and that when we say we want athletes to be more involved in the governance process and that representation process, that we're actually convening it. And we're meeting athletes where they are and making sure there's training and resources available so that athletes on boards aren't just tokenized. Yeah, but what would you say to some of the athletes and the survivors who are saying, still feeling like left out of the policy making? Process and feeling like this isn't going to go far enough to prevent abuse in the sports system. I'm very confident that the steps that we're taking today and the steps we've taken through that iterative process over the last couple of months has
brought us forward leaps and bounds on a safer, more accountable sports system that's involving more athletes, that's listening to more athletes. We've convened so many panels, working groups, town halls, opportunities for athletes. The committees have done an extraordinary job bringing to light some really, really difficult stories, and all of those have been taken into consideration in the production of this new sport reform, which is exactly what the sports system needs, in my view. Yeah, and just with the ban list, what can we do to potentially prevent further abuse from taking place? Well, these are early days, but what we've heard from athletes and sport organizations is that there needs to be a little bit more rigor in ensuring that abusers are you know, named and left out of a position where they're ever going to be able to have an influence on an athlete or be in a role of authority or coaching, whether that's a coach from abroad or one from the Canadian sports system. So they demanded more accountability, and we're stepping up with a list and a more than just a list, but a register to ensure that that athletes are protected. And when do you anticipate the list being active? That's not a question that I can answer right now. The announcement was just this morning. I'm very, very confident that, well, there's already been the SDRCC and OSIC has already started to produce what's necessary in order to have that list. We've got to work with our partners in provinces and territories across the country to ensure, we know that national sport organizations are basically in charge of about 3,000 or 4,000 athletes in Canada. It's kind of limited. So to protect kids and younger participants in sport, we need the involvement of other jurisdictions as well. Perfect. Thanks. Well, done. Yep. Thank you. On s'est fait atteindre par le gouvernement sur les politiques dans le sport pour encadrer le sport canadien, notamment. Est-ce que, selon vous, ça va fonctionner, ces politiques-là? Bien, fonctionner, on verra, mais il y a quand même des choses intéressantes, là. Comme les procès-verbaux puis les rapports financiers sur le web, parce que les organisations manquaient beaucoup de transparence puis on semblait cacher des choses. Alors, en étant sur le web, ça peut améliorer. Aussi, ils demandent qu'un athlète siège au conseil d'administration, ça c'est bon aussi. C'est important d'impliquer les athlètes aussi à travers les décisions. Par contre, où ce que j'ai de sérieuses questions, c'est qu'ils investissent un million dans des programmes d'éducation. On ne sait pas vraiment c'est quoi les programmes d'éducation. Puis 250 000 pour suivre les entraîneurs. J'espère que dans tout ça, parce qu'on ne sait pas, il y a de l'argent qui est là pour la formation des entraîneurs, parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs, il faut qu'ils sachent comment ils doivent entraîner les jeunes. Il faut qu'ils sachent aussi où sont les limites, parce qu'on demande tout le temps la performance maximale de l'athlète. Alors, il faut que les entraîneurs sachent qu'ils peuvent aller là, ils ne peuvent pas aller là, et ainsi de suite. Alors, j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'argent, qu'il y ait plus d'argent qui soit dans la formation des entraîneurs. Vous, comme entraîneur, c'est ça que vous auriez eu besoin? Si vous étiez encore en arrière d'un banc, là? Bien, c'est parce que c'était... Tu sais, on devait dire que c'était différent. L'acceptabilité sociale était différente. Aujourd'hui, c'est certain que ça prend des formations. Il faut être un peu plus clair de qu'est-ce qu'on veut de l'entraîneur. Avant, je veux dire, on coachait, puis, tu sais, c'était complètement différent. On était là pour plusieurs années. On savait pas vraiment s'il y a des choses qui étaient pas bonnes ou bonnes. Nous autres, c'est le résultat. C'était de gagner. Puis c'était d'avoir du monde dans des estrades. C'était ça, à ce moment-là. Merci. Merci. Oui, j'ai une déclaration, merci. Just on what we've seen again and again from the Liberal government is a lot of all words and no action, and on reproductive rights, it's very similar. They make a lot of symbolic gestures, put their hand on their heart, and say really solemnly that they defend the right to choose, but with concrete actions, they're not there. And we named two of them today in the House. They promised to make sure every region in the country has access to abortion services. Did they deliver on that? No, they failed. They promised to ensure that any organization that receives public funding or organizations that have charitable status that are anti-abortion and promote misinformation, their status will be removed or they will not receive public funding. Did they deliver on that commitment? No, they failed. And a recent example is Priest for Life has received charitable status, and that has not been revoked as of yet. So it's clear that they say one thing and do another. The Conservatives, again, continue to find ways to bring in or reopen the debate on abortion. New Democrats are very clear. We believe in the right to choose, and we also believe in access to that right. And we want to defend that with concrete steps, and we'll continue to push for that. Donc, aujourd'hui, encore une fois, les conservateurs veulent réouvrir le débat sur l'avortement, et les libéraux
la main sur la cœur, encore avec beaucoup de solennité, dit « Oh, nous sommes outrés, que nous sommes outrés de ce qui se passe », mais et sans rien faire pour vraiment améliorer l'accès à l'avortement. Pour nous, c'est important, pas seulement des gestes symboliques, on doit défendre le droit, mais aussi accès au droit d'avoir un avortement. Ça, c'est essentiel pour nous. Les paroles vides des libéraux sont insuffisantes et les menaces des conservateurs sont inacceptables. Les néo-démocrates seront là pour défendre les droits et défendre l'accès au droit d'avoir un avortement. Avec ça, I'm ready for any questions. Sur les abus dans l'armée, dans le sport, on a la ministre Saint-Onge ce matin qui a dit que oui, il y aura une enquête publique sur les abus sexuels en milieu sportif. C'est quelque chose que vous demandiez au NPD, mais la ministre dit oui, on va le faire, mais on n'est pas prêt à déclencher tout de suite. Ça va venir. Le fait qu'on doit quand même encore attendre, est-ce que ça vous préoccupe? Oui, ça me préoccupe qu'encore il y a des délais. On a besoin de l'enquête publique pour vraiment évaluer la situation et nous donner des recommandations pour s'assurer que jamais dans l'avenir, on a des inconduites sexuelles contre les athlètes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit s'assurer, on doit assurer et on ne peut pas attendre pour un autre délai. Donc, c'est positif qu'ils ont dit que oui, ils vont le déclencher, mais on ne peut pas attendre, on doit agir avec l'urgence parce que c'est nos athlètes, c'est une culture vraiment dangereuse pour les athlètes, pour particulièrement les femmes, mais en général, c'est un grand problème, donc on doit agir avec urgence. Et c'est toujours le cas, souvent le cas avec les libéraux, ils ne répondent pas avec l'urgence nécessaire pour la gravité des enjeux. Il y a aussi sur le dossier des inconduites sexuelles dans l'armée, la ministre Annan avait promis depuis novembre 2021 le transfert des dossiers au civil. Tout à l'heure, elle nous a dit qu'il y a 50% des dossiers qui ont été transférés seulement. Ça fait quand même depuis plus d'un an qu'elle a fait cette promesse-là. Alors, trouvez-vous que ça va trop lentement? C'est complètement inacceptable. Les délais massifs par rapport aux inconduites sexuelles dans nos forces canadiennes. C'est complètement inacceptable. Ce n'est pas seulement un an depuis le premier de ministre, mais c'est des années, plusieurs années depuis un juge de la Cour suprême a donné des suggestions ou des recommandations claires et le gouvernement n'a pas agi pour mettre en place ces recommandations. Et une des recommandations primordiales, c'est d'avoir un système indépendant. Parce que ça n'a aucun sens que si vous êtes dans la force canadienne, vous devez parler avec un supérieur pour présenter une plainte dans un contexte où votre carrière est menacée en faisant ça. C'est complètement ridicule que ça a pris assez de temps. Donc, un an... De promis par rapport au ministre et plusieurs années depuis la recommandation du juge. C'est inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi les libéraux n'agissent pas. Mr. Singh, can I just loop back to Priests for Life for a second? Yep. What is wrong in your view with a system that has MPs reviewing a list of potential grants for their riding? Well, that is the system that exists right now where MPs review grants is fine. But one of the things that the government themselves promised to do, their own promise, is around charitable status or public funding of organizations that are anti-abortion and spread misinformation that wouldn't happen. Well, it's happening. That was a promise that the Liberals made, and the Liberals failed on their own promise. They also promised access, to improve access issues. Again, they promised that themselves, and they failed. I think we need to do a lot more, but at a minimum, they should be keeping their promises. The Liberals and the Prime Minister promised to do these things, talk a lot about how important the right to choose is, which I agree, but it is very meaningless when you talk about the rights and you say it's important and you make promises to back that up and then you fail on those promises. So, that's a problem. So my question is more though, do you see something wrong with a system that allows MPs to review grants such as the organizations, pro-life organizations may get? I understand your... Or is that really, you know, a function of
what MPs are supposed to do. Like, are, do you oppose that kind of advocacy? I understand your question. I don't oppose the existing system where MPs review, but there should be a step before that, that certain organizations shouldn't even make that point. They shouldn't get to that point. And if it's clear, if the government promised that they would not allow for organizations to get charitable status or public funding, that have anti-abortion positions and promote misinformation, then there should be a preliminary step taken by the government that those organizations are immediately not greenlit. And then, what does that do for, like, all, you know, the charter guarantees equal benefit under the law to everybody, right? No discrimination based on your beliefs. So are you not arguing then for a discriminatory approach? Well, I'm saying very clearly, first of all, it's the Liberals' promise. They promised to do this. So this is their. They promised to, I mean, that's irrelevant to the promise that they made. They promised to do something, and they're breaking their own promise. That remains the case. And absolutely, certain organizations should not receive public funding. Absolutely not. And one of those values that we believe is very important is there should not be anti-abortion groups spreading misinformation around abortion. No, they should not be receiving public funding. The Liberal government promised to actually do something about that and have failed to. That is the Liberal government's fault for making a promise and breaking it. And as an opposition leader, I'm going to point out when they do something wrong. That is wrong. They shouldn't be doing that. They should follow through on that promise. And it's a pattern of behavior when it comes to things like the right to choose, where they make a lot of solemn gestures and really say this is serious and have a certain tone in their voice. But when it comes to the actions, they fail to deliver. Thank you. Thanks. Thank you. Merci. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une excellente nouvelle à partager avec les Canadiens et les Canadiennes. It's excellent news for Canadians that Bill C-46 received royal assent today following unanimous approval by the House of Commons just a few weeks ago. So while inflation continues to be stable or come down for the ninth month in a row, in budget 2023, our government is delivering new targeted inflation relief for Canadians who need it the most and providing immediate support to strengthen public health care for Canadians. Alors que l'inflation continue de baisser pour le neuvième mois consécutif, notre gouvernement a, par l'entremise du budget 2023, des nouvelles mesures ciblées d'allègement de l'inflation pour ceux et celles qui en ont le plus besoin, ainsi qu'un soutien immédiat pour renforcer les soins de santé publique pour les Canadiens. This legislation delivers targeted relief to the Canadians who need it most through the grocery rebate, with up to an extra $467 for eligible couples with two children, up to an eligible $234 for single Canadians without children. De plus, cette législation renforce les soins de santé publique grâce à un complément de 2 milliards de dollars de transferts canadiens en matière de santé afin de réduire les délais, les temps d'attente de soutien des hôpitaux pédiatriques et les salles d'urgence. The $2 billion top-up that is in Bill C-46 is in addition to top-ups totaling $6.5 billion provided through the pandemic and is part of the federal government's $198.3 billion plan to improve health care for Canadians. These are two urgent and critical measures that will provide help to Canadians in the areas that are needed the most. And I want to thank all members of the House, as well as all senators, for their spirit of cooperation that has helped move this legislation forward in an expedited manner. Merci. Question? Commentaire? Okay, bonne journée tout le monde. Maybe one thing to add is, given the speedy passing of this bill, Canadians can expect to see the grocery rebate as part of the July 5th payment. So we're very pleased that all parties and all members of the House and Senate were able to pass this legislation. Merci beaucoup.